Alors, bonsoir à tous, vous retrouvez, chers amis et ennemis, on est le 14 octobre, toujours 2020, 23h09, faire du Québec, plein d'énergie, on veille un petit peu. Quand Donald Trump va perdre le 3 novembre, il pourrait s'en aller en Israël, parce qu'il y aurait des bonnes chances de devenir président là-bas, parce que les Israéliens l'aiment beaucoup. D'ailleurs, c'est les seuls sondages qui sont positifs en ce moment pour Donald Trump. Ce sont des sondages en Israël, pas vraiment pratiques pour le 3 novembre. La majorité des Israéliens préfèrent Donald Trump à Joe Biden. Les perspectives israéliennes sur les modes de vote des Juifs américains ont également été évaluées dans ce sondage. Un nouveau sondage publié par. Euh I24 News, Israel 24 News, est mené par le Direct Falls Research Institute. Lundi a révélé que 63,3% des Israéliens préféraient la réélection du président sortant américain Donald Trump contre 18,8% qui préféraient l'ancien vice-président et challenger démocrate Joe Biden. La plupart des répondants ont déclaré qu'ils pensaient que Trump serait un meilleur président pour Israël, tandis qu'une majorité ou une minorité d'Israéliens a dit la même chose à propos de Biden. Dans le camp des indécis, 10,4% des personnes interrogées ont déclaré que les deux candidats seraient également bons pour Israël, tandis que 3,1% ont déclaré... Qu'aucun ne le serait. On a également demandé aux Israéliens si le lien personnel entre Trump et le premier ministre Benjamin Netanyahu pouvait affecter les relations américano-israéliennes. Et environ 50,9 des répondants ont déclaré que l'élection de Biden nuirait aux futures relations bilatérales car ils estimaient que Trump avait une relation spéciale avec Israël. De même, 43,5 des répondants ont indiqué que la relation américano-israélienne ne dépendait ni du président américain ni du premier ministre israélien car les États-Unis sont de de toute façon, un véritable ami d'Israël. Quant à l'intérêt public, 87,8% des Israéliens ont déclaré qu'ils suivaient la course électorale américaine et ventilé. 48,1% ont dit que c'était très intéressant pour eux, tandis que 39,7% ont dit que c'était intéressant dans une certaine mesure et 9% ont dit qu'ils n'étaient pas très intéressés. Les perspectives israéliennes sur les modes de vote des Juifs américains ont également été évaluées dans ce sondage et 48,2% des personnes interrogées pensent que le soutien des Juifs américains aux démocrates est faux contre 35,5% des Israéliens qui pensent que le soutien des Juifs aux Améri Américains à leur égard est juste, tandis que 16% euh, des répondants se sont dit incertains en ce qui concerne les liens entre les Juifs américains et Israéliens, 47 de ces derniers ont déclaré qu'il y avait un fossé entre les deux plus grandes communautés juives du monde, mais ont exprimé leur optimisme quant à une éventuelle réconciliation. À l'inverse, 35,3 des personnes interrogées déclarent qu'il n'y a pas de rupture entre les deux communautés, mais qu'il existe des points de désaccord légitimes. 12,4 des répondants ont déclaré qu'il ne pouvait s'y avoir. De rapprochement entre les deux communautés et 5,3 n'était pas sûr de la question. Le sondage a été réalisé euh, le 6 octobre auprès d'un échantillon de 519 adultes interrogés de tous les secteurs de la population israélienne. Donc vraiment intéressant. Ça serait très très intéressant. En tout cas, il y a, une, il y a de l'avenir pour Donald Trump en Israël. Ça c'est sûr et certain. S'il veut continuer sa carrière politique.